Bonjour à tous, c'est JOT, je suis de retour. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite opening, toute simple, un 6 étoiles. Alors j'espère avoir de la chance, mais bon, kabam, c'est hein, selon l'envie. Hein. Donc on va voir ça. Alors qu'est-ce que j'attends? Ben, je sais pas. Un super perso, forcément, mais j'ai pas été super gâté niveau 6 étoiles jusqu'à présent. On va regarder ça. Ah, j'ai eu Void. Bon, ça va. Void, je dis pas, c'est il est très bien. Mais voilà. Bon, j'ai eu Luke Cage qui est bien, mais comme je l'ai en 5 étoiles déjà doublé, je préfère prendre le 5 étoiles qui est beaucoup plus sécurisant en fait, puisqu'il a son indestructible. Sinon, Thor Jane Foster, c'est nul parce qu'elle n'est pas doublée. Nebula, c'est moyen, on va dire. Et Drax, il est bien que quand il est doublé en fait. Donc il faudrait, pour bien, il faudrait que je double Luke Cage, Drax, Void, ou j'ai un nouveau perso, on va dire correct. Killmonger par exemple, il est correct. Killmonger, qu'est-ce qu'il me faudrait aussi? Enfin, Corvus ce serait bien, un Carnac ce serait bien. Ça me permettrait de passer les Médusas parce que j'ai du mal à contrer les Médusas. Surtout les Médusas en fait sur Born Immu en fait. Immu étourdissement, c'est un peu chaud. Enfin moi j'ai du mal en tout cas. Voilà, bon on va voir. Hein. On verra si on a de la chance. Voilà. Ah, je pourrais avoir une Domino aussi, ce serait cool, mais bon. Je l'ai déjà en 5 étoiles, on va pas se plaindre. Hein. Ouais, non, qu'est-ce que je fais? C'est pas là. Hop, le petit 10K. Oh, j'ouvre pas de 15K. Franchement, pour le 6 étoiles, ça vaut pas le coup. Surtout que. Ouais, attends, on va regarder. Mais dans le 6 étoiles à la une. Ouais, non, y a beaucoup trop de persos qui sont nuls à chier. Hein. Il faut dire ce qui est. Enfin, si vous mettez 15K et que vous avez Magneto, Le Rhino, Hulkbuster, Ant-Man, Tornade, Daredevil classique. Franchement. Même Mordo, Guillotine, bon, c'est pas des mauvais persos, mais ils méritent pas 15K, quoi. Dedans, il y a quoi? Il y a Omega Red qui est bien. Je crois qu'il a besoin d'être doublé d'ailleurs. Moi, je sais plus. Emma Frost, Symbiote Suprême. Venom, le canard, je sais pas ce qu'il vaut, non, je peux pas dire. Le champion, il est fun, mais pas non plus ouf. Egon, il a besoin d'être doublé, c'est quasiment que pour le LOL en fait, sinon il a pas vraiment d'utilité, je trouve. Proxima Midnight, c'est bien. Yondu, c'est correct, ouais. Et la Sentinelle qui est bien, mais sinon, voilà quoi. Donc voyons ça, on verra bien. Ah, allez, on va lancer. Ah, j'ai vu des belles choses déjà passer, hein, mais. Allez, on appuie. Sur quoi on va tomber? Et c'est une catastrophe! Oh là là, Gamora, c'est nul à chier. Hein. C'est ouais, c'est pourri en fait. Faut dire ce qui est, c'est nul. Ouais, ok, elle va mettre du dégât. Mais bon, franchement. Je sais même pas ce qu'elle vaut, j'ai jamais regardé ses stats en fait à ce perso-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, il y a les stats, mais quelles stats? Il n'y a pas de stats en fait, il n'y a rien du tout sur sa fiche. Ouais, 90% de chance de provoquer un saignement, ouais. Après, cela dit, ouais, cela dit, en 6 étoiles, elle va peut-être mettre du dégât quand même. Hein. Mais bon, clairement, c'est pas ce que je voulais. Hein. Je vais pas dire que je voulais Gamora. Hein. Bon, bah, c'est une catastrophe. Bon, espérons que le reste ce sera mieux quand je vais ouvrir mes 5 étoiles. Parce que là j'ai. Ouais, j'ai presque 85K de 5 étoiles.
Donc comme je vous l'ai dit, j'attends Blade au mois de février. On va espérer au moins l'avoir une fois. Et puis bon, on verra bien, hein. Allez, sur ce, à la prochaine et bon jeu!